Hello et bienvenue dans ce premier journal de bord du mercredi. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, ben bref, c'est le premier journal de bord du mercredi. Si vous savez pas de quoi je parle, il fallait regarder ma vidéo de dimanche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. Aujourd'hui nous sommes lundi et c'est la Saint-Valentin. Valentin. C'est la Saint-Valentin. Donc évidemment je suis avec Kendall. Là on est rentré tout à l'heure parce que demain on a... Enfin Kendall a 1 heure de conduite et il va faire de la conduite supervisée avec moi. Du coup je dois être présente. On a rendez-vous à 17h sachant qu'il faut y aller un petit peu avant, donc on ira vers 16h. On s'est dit que ce serait plus sympa vu que c'est moi qui conduis de venir la veille, comme ça on peut se reposer, dormir tranquille, etc. Du coup je disais c'est la Saint-Valentin. Bah je veux pas faire genre, on en a rien à foutre de la Saint-Valentin. Bah, ça a jamais été un truc, à part la toute première quand on avait 15 ans, donc ça date pas d'hier. On n'a jamais fait la Saint-Valentin parce que nous en vrai bah, c'est un peu tous les jours la Saint-Valentin. Ouais, bon, y a pas besoin de ça pour montrer qu'on s'aime, quoi. Oui voilà. Bon après chacun voit les choses comme il le souhaite. Hein. Donc, Enfin pour nous c'est un peu plus, c'est ouais. plus commercial que qu'autre Voilà. On chose. n'attend pas la Saint-Valentin Oui pour voilà. faire des restos ou aller Voilà. chercher un petit truc Bah, ou... ce que je disais c'est la Saint-Valentin toute l'année. Le seul truc qu'on fait, c'est on fait un petit repas qu'on fait pas d'habitude, en général. Et encore Et là tu fais genre encore. parce qu'on avait oublié. Ouais. J'ai appris que c'était la Saint-Valentin hier. Du coup Si voilà. vous avez pas compris, c'est la semaine du 14, Ouais, si vous ne saviez pas, la hein. Saint-Valentin c'est le 14 février, voilà. Enfin voilà, tout ça pour dire que nous on n'est pas Oh, mais vraiment une bonne pro question là. Saint-Valentin, puisque comme je le disais, on n'a pas besoin du 14 février pour montrer. Enfin, vous n'avez pas besoin de ça pour montrer aux gens que, bah, que vous les aimez, tout simplement. Enfin, aux gens. À la personne que vous aimez Oui. plutôt. Enfin bon, en tout cas, nous on n'a pas besoin de ça, mais du coup on s'est dit pourquoi pas, il nous restait du. Comment s'appelle le champagne là? Mouette. Du mouette dans le frigo et on va faire une fondue. Et on est en train parce que ma mère nous a acheté une machine en fondue, on l'avait jamais fait. Enfin, on avait jamais encore testé. Du coup, on s'est dit, Ouais. bon, on va faire ça pour ce soir. Mais clairement, je vais pas faire genre, c'est pas du tout pour la Saint-Valentin. Mais voilà. Du coup, là, on a des petits morceaux de pain, petit verre de champagne et on a la fondue qui est en train de se faire là, de chauffer. Et puis voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est vrai que ouais, on l'a jamais faite la Saint-Valentin. Ça fait 6 fois que je dis la même chose. On se fait des cadeaux pour la Saint-Valentin, non? Non. Enfin, en vrai, ça a déjà dû nous arriver, mais. Enfin, oui, Ouais. ça nous arrive de nous faire des cadeaux tout le temps. En général, Mais. on se fait juste un petit repas qu'on peut pas faire d'habitude, c'est rare, tu vois. C'est des trucs qu'on fait pas d'habitude, mais Oui, finalement. encore. L'année dernière, on a fait quoi? Rien, je crois. Ouais, on la fait pas beaucoup. Bon, bref, on ne la fait jamais. Mais ce soir, vu que. Bon, c'est bon, vous avez compris, non? Je vous dis quand même joyeux Saint-Valentin, parce que bah, c'est quand même la Saint-Valentin. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, voilà ce qui s'est passé pour aujourd'hui. On se retrouvera du coup demain. Et demain, au programme, je vois Florian et Grégoire. Et on passe l'après-midi. Enfin, on va manger ensemble aux terrasses. On va sûrement faire un petit tour dans les magasins. Et puis voilà. Et puis après, on ira à l'heure de conduite de monsieur. Et puis c'est tout. Du coup, je vous dis à demain. Vas-y, je goûte. Ah, attendez, il goûte. La texture est pas mal, hein. Ouais. Mais je teste la chaleur. C'est un peu chaud, non? C'est bon? Incroyable. T'es flou? Flou mais incroyable. Ah oui, parce que c'est une fondue qu'on a faite avec le vrai fromage, le vin blanc, etc. Apparemment, c'est excellent. Bah attendez, on va goûter ensemble quand même. Dire que c'est sachet là. Ah oui, bah ça doit être meilleur que les sachets Richemont. Bon, après, c'est pas mauvais en vrai, on Ouais, les a mais goûtés. après ça, t'auras plus envie de manger de sachet, je veux dire. Après, franchement, c'est super simple hein, de faire une fondue. Si vous en avez jamais faite, Faites fondre le fromage. c'est tout. Mais quand on a la petite machine, c'est chaud, non? Non, ça va. Sur ce, à demain. Hello! Donc aujourd'hui nous sommes mardi et là on est actuellement à mon café préféré. Ah, toi tu le dirais comment le nom? Daloyau. Toi aussi? Moi je disais Deloyau mais j'ai vu que c'était un A. Enfin, au café où je vais tout le temps au terrain. Et là on a fait un petit tour dans les magasins. J'ai avec Kendall et on est aussi avec Flo et Grégoire. Florian qui est en train de perdre une de ses chaînes. Et du coup on a tous pris. Enfin, t'as pris quoi toi? Un café crème? Greg il a pris un latte macchiato je crois. Flo il a pris un chocolat frappé. Et moi j'ai pris un thé glacé pêche de vigne. Il a l'air super bon. Bah si justement c'est du vrai thé, il n'y a pas de sucre. Ça va jamais se diluer non? Ah tu crois? Ah c'est amer? Oui très. Ah merde, moi il est super amer au chocolat. Ah oui? Oui. Ah bah c'est du vrai. Oui, c'est pas chez Starbucks quoi. C'est du... En fait c'est du vrai thé glacé, c'est pas de l'ice tea quoi, c'est ouais, du c'est du vrai vrai thé. thé glacé pour de vrai quoi. Et Flo,
Il me disait, ben mon chocolat il est super amer aussi. On a trop l'habitude de Starbucks en fait, je crois que c'est pour ça. Bref, du coup je vais tester. Greg il m'a dit que peut-être ça marcherait. Je vais mettre du sucre dedans. Du sucre, mon chocolat qui se balle. Allez, moi regardez mon sucre, ça a pas du tout marché. Ah, oh oh, il avait raison. Bon, ça y est, on vient d'arriver chez mes parents à l'instant. On a retrouvé tout le monde et aussi Maurice. Et du coup, ça s'est très très bien passé. Il conduit bien. Mmh. Il conduit comme un chef. Oh, tu pues la gueule, Maurice. Voilà. Tu pues. Tu comptes laver les dents? Tu sais qu'il y en a qui lavent les dents au chatouni. Oui, un petit chatouni comme toi. Ah non, voilà, ça s'est très très bien passé. Et puis voilà, donc demain on va peut-être passer, fait, si on peut. Bon, bref, il nous reste à envoyer les papiers à l'assurance pour qu'on puisse attaquer la conduite supervisée. La conduite supervisée, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Ce qui s'est passé d'intéressant aujourd'hui. C'est déjà bien. Du coup, on vous dit à demain. Hello. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. On se retrouve avec une tête très approximative. Au programme d'aujourd'hui, déjà, Kendall qui va essayer de sauver une grenouille. Quoi? Ah, il pleut? C'est une grenouille ou un crapaud? Mais en fait, on l'a vu d'en haut. Il est mort ou pas? Oh, le pauvre! Ah, mais il est tout dur! Oh, le pauvre! Mais comment ça se fait? Ça devait être trop haut, il est avec le froid, il a congelé. On va laisser là, peut-être qu'il va décongeler, il va se réveiller. Non, mais Kendall, on n'est pas dans un film. Bah, c'est pas la préhistoire, hein. Bon, bah, le crapaud est décédé, je suis choquée. Aujourd'hui, au programme, je vais travailler pour l'école parce que j'ai plein de trucs à faire. Et il faudrait que je commence à monter ma vidéo pour dimanche. Et enfin, bref, j'ai plein de trucs à faire. Et on doit passer aussi à mon assurance de la voiture pour la conduite supervisée avec Enel. Bon, du coup, là, il est 1h du mat. Donc, techniquement, nous sommes jeudi. Et je viens de finir le travail que j'avais à faire aujourd'hui pour l'école. Pas du tout pour YouTube, mais pour l'école, du moins. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que tout le monde dort. Voilà l'état de la table. Aujourd'hui, je me suis occupée de mes silhouettes pour la collection de fin d'année dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Je peux vous montrer si vous voulez. Alors en fait, moi je fais avec de la peinture, des Bosca et du collage, découpage. Et en fait, à chaque fois, ça se présente comme ça. Il y a deux silhouettes sur la même page. Et il y a deux pages à chaque fois. Bon, bref, voilà, vous avez compris le principe. Bon, là, je sais pas encore. Parce qu'il m'a que les Bosca, je me suis trompée de couleur. Bref, voilà, j'ai pas du tout fini. Enfin, j'en avais plus que la moitié. Enfin, j'en avais plus de la moitié. Je finirai ça demain parce que c'est déjà 1h du mat. Et il faut encore que je fasse toute ma skincare, que j'aille me laver les dents, que je mette mes gouttières, etc. Donc, je sais pas ce que ça fait de chuchoter en vidéo. Vous m'entendez ou pas? Je vous dis à plus. Hello, donc aujourd'hui nous sommes jeudi. Là je suis habillée, maquillée et on part sur Nîmes parce qu'on a plein de trucs à faire. Des trucs pour l'école et je dois passer aussi chez mon orthodontiste. Bref, voilà, et j'aimerais bien aller voir pour une ring light parce que je pense que ça pourrait être cool d'en avoir une. Donc je vais aller voir ça, peut-être à Boulanger ou ailleurs, bref, peu importe. Du coup je vous amène avec moi et puis c'est parti. Ah, vous avez vu mes lèvres? J'ai acheté le crayon Charlotte Tilbury, la telle la bonne youtubeuse que je suis, et je trouve que ça fait trop trop beau, c'est super naturel, et voilà. Bref. Alors du coup là on est passé chez l'orthodontiste et je suis allée chercher mes élastiques. Et là qu'est-ce qu'on fait? Je suis allée chercher 2-3 trucs avec ma mère, mon frère et Kendall à Cultura pour l'école. Et là on est à Géant, on va aller boire un café tous ensemble. Et après je vais aller regarder si je peux acheter une ring light. Je vais avoir les cheveux tout gras parce qu'il y a un vent de ouf. Regardez, il s'est attaché les cheveux. Vous aimez bien les cheveux attachés ou pas? Bon, faut encore que ça pousse un petit peu sur le côté. Bon, nous voilà, on est rentrés. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté, enfin ce qu'on m'a offert plutôt. Ma mère m'a pris des Bosca. Bon, vous savez tout ce que c'est. Parce qu'il manquait deux couleurs pour faire mes silhouettes là. Et voilà, et j'ai pris, alors ça je savais pas du tout que ça existait. C'est, vous savez, les frictions, les stylos qui partent à la chaleur. C'est les feutres
que quand tu gommes comme ça, là ça part. Et c'est ce que j'utilise en couture parce que ça part quand on passe au fer à repasser. Et normalement j'ai les stylos basiques et là c'était un feutre. Toujours pas de focus, bref, on s'en fout, c'est un feutre. Ensuite, mon frère et ma mère m'ont offert un pull et un petit bonnet. Un bonnet comme ça en maille bleu et blanc, mais trop beau, de chez Naf Naf. Parce que depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai envie de mettre plein de trucs sur ma tête. Voilà, je suis pas trop chou. Et un pull, depuis le temps que j'en voulais un. C'est une marinière et il est trop beau, regardez. Voilà, c'est un pull en maille, comme ça. Il est trop trop beau, colombé, et c'est une marinière. Parce que ça fait longtemps que j'en voulais une. Mais à chaque fois que j'en trouve une, ça coûte super cher. Là, c'est mon frère et ma mère qui m'ont pris ça, du coup. Et le plus intéressant pour vous, regardez ce que Kendall m'a offert. Ta-da ! Une ring light. Du coup, on va ouvrir ça, on va voir comment ça marche. En fait, celle-ci, je vais vous montrer plutôt comme ça. Celle-ci, c'est cool parce qu'on peut mettre la caméra et le téléphone. Voilà. Et puis voilà, donc... Et ah oui, et surtout très important, il y a un trépied aussi. Ça c'est cool. Parce que en fait, elle était un peu chère, elle coûtait 50 balles. Je crois que c'est le prix ou on s'est fait arnaquer? C'est le prix. On a pris ça chez Boulanger. Et il y en avait des moins chers évidemment. Sauf qu'en gros c'était des mini trépieds. En gros c'était une ring light. Mais sur un mini trépied dans ce style là en ferraille. Et Kenal il me disait si jamais je veux filmer debout ou quoi. Enfin c'est pas très pratique quoi. Vu qu'il faut le poser sur une table. Là c'est un trépied normal. Donc c'est cool. J'aimerais bien faire plus de contenu sur Instagram. Donc plus de réels, plus de posts, plus de photos, plus de stories, etc. Et même pour YouTube je trouve ça cool. Parce que j'avais pas d'éclairage. Peut-être qu'un jour j'achèterai les gros éclairages. Pas que là, sauf que je filme pas quand même souvent des vidéos face cam, donc pour l'instant j'en ai pas grande utilité et je pense qu'une ring light pour l'instant pour commencer ce serait pas mal. Peut-être qu'à l'avenir je prendrai des spots lumineux, mais pour l'instant on verra avec ça. En tout cas pour Instagram ça va être cool. Du coup Kendall regarde comment ça marche comme d'habitude. Du coup ça y est, Kendall a monté la ring light et regardez la différence, c'est trop bien. Donc là elle est pas allumée, tada. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est une ring light en vrai. Mais peut-être. Oui, quoique je sais pas. Moi je sais parce que c'était. Enfin, moi je sais, mais je n'avais jamais utilisé. Donc je peux régler la luminosité. Là je suis dans les tons chauds. Là c'est plus blanc. Et là c'est plus bleu. Du coup voilà, je suis trop contente. Et là on va essayer avec le téléphone. Apparemment on peut prendre des photos en Bluetooth. C'est high tech, hein. Voilà. Du coup ça ressemble à ça. C'est bleu. Voilà, oui. Peut-être mieux si je l'allume. Vous avez la petite télécommande ici. Et du coup, vous avez juste allumé. Voilà. Moi, ma préférée, c'est celle-là. Personne ne m'a demandé, je vous le dis quand même. Du coup, il y a la petite télécommande ici. Et là, on va essayer. On a mis le trépied pour le téléphone. On va essayer de mettre le téléphone. Et pour le téléphone, il y a une petite télécommande. Je sais pas où est ce canal, peut-être qu'il a. Une petite télécommande comme ça. Voilà. Il faut que je le connecte en Bluetooth. On va essayer ça. Hello. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et on a tout validé là pour la conduite. Vendredi, pardon. On a tout validé pour la conduite supervisée avec Kendall. Du coup, il va prendre ma voiture pour la première fois. Enfin, il va conduire vraiment pour de vrai pour la première fois. Du coup, on va vous amener avec nous. J'espère qu'on va pas avoir d'accident. Je rigole. Je sais qu'il conduit bien. En plus, il fait grand soleil aujourd'hui. Et au programme d'aujourd'hui, du coup, allez faire un tour en voiture. Et moi, j'ai 46 000 trucs à faire. Comme d'habitude, j'ai plein de travail pour les réseaux et surtout pour l'école. Là, on s'est garé sur le parking casino. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a eu le droit à deux petits calages, mais c'est pas ma faille. Il y a que un peu au début, il était un peu stressé, et moi aussi en vrai, parce que bah, c'est la première fois qu'on conduit que tous les deux. Bah, c'est tout qui est pédale quoi. J'ai le frein à main en cas d'extrême urgence. Mais franchement, tu peux être confiant parce que ça se passe très bien. Les ronds-points, nickel, la vitesse, nickel. Il fait même pas d'à-coups alors que normalement c'est son petit péché mignon. Ouais. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Là, j'étais en train de travailler pour l'école. Et là, je suis. Enfin, on est en train d'installer avec Kendall pour filmer un réel pour Instagram. En fait, j'aimerais filmer ma routine make-up là en ce moment. Donc, juste montrer mes produits et faire du montage. Vous verrez, vous avez qu'à me suivre sur Instagram pour voir le résultat. Et on est en train de chercher comment installer tout ça. En fait, je veux faire avec plutôt du bois parce que je suis. En fait, je suis pas fan d'Amout. Je trouve que c'est un peu has-been. Du coup, on va essayer avec. Le petit tabouret pour le fond. C'est compliqué hein. Mon téléphone je pense qu'il va se casser la binette, non?
Bon, vous êtes pas très droit, mais c'est pas grave parce que vous êtes posé sur des gobelets pour se laver les dents. On se retrouve beaucoup plus tard. Pas exactement quelle heure il est, mais il doit être 22h, je pense. Un truc comme ça. J'ai extrêmement mal à la tête. J'ai travaillé toute la journée pour l'école. Je suis en train de finir mes silhouettes. J'ai quasi fini, donc ça c'est cool. Et bon, là j'arrête pour aujourd'hui. Et je vais passer à tout ce qui est YouTube parce que j'ai mon réel Insta que j'ai filmé tout à l'heure que je dois monter. Et je dois finir ma nouvelle intro YouTube. Je me lave le visage et que je fasse ma night routine. Du coup, je vais vous montrer. Comme la visage en ce moment, j'utilise ça. C'est une mousse nettoyante. Ma dermatologue m'avait dit qu'il fallait surtout pas prendre ça. Mais au final, j'en ai pris une quand même. Comme sérum, j'utilise celui-là de la marque The Ordinary. Et j'ai la crème aussi The Ordinary. Je suis en train d'essayer ce combo-là. Donc on va voir si ça marche. Ça fait que quelques jours que je l'utilise. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on pourra en parler dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Pour mon mal de crâne, alors vous savez que je suis très migraineuse. Alors là c'est pas la migraine, c'est juste que j'ai mal au crâne. Parce que je pense que d'avoir fait ça toute la journée, fait d'avoir travaillé toute la journée, des fois ça me donne mal à la tête, surtout quand je fais la même chose. Et quand mon cerveau ne fait pas autre chose, ça me donne mal au crâne. Pas besoin de prendre mes médicaments pour la migraine. Donc je vais essayer ça. C'est ma mère qui me l'a acheté, c'est un roller tête lourde. Des huiles essentielles. Et apparemment faut en mettre un petit peu ici, ici, ici et ici je crois. On va voir si ça marche. Bon, ça y est, j'ai mis toutes mes crèmes, mon sérum, je me suis lavé le visage et j'ai mis mon roll-on d'huile essentielle pour le mal de tête. Je vais pas filmer tout ça, si ça vous intéresse on pourrait en parler dans une autre vidéo. Là c'était juste pour vous montrer vite fait les produits que j'utilise actuellement. Je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai encore plein de travail et comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu fatiguée. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Enfin, cette vidéo, cette journée ici. On se retrouve demain. À demain. Hello, hello. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi et on est encore en voiture. Donc là, on est à Nîmes. Moi, je vais aller voir Lisseur. Mais à la base, on est venu pour que Canel puisse s'entraîner un petit peu en ville. Bon, on n'est pas vraiment en ville à proprement parler. Vu que demain, c'est lui qui va prendre la route pour rentrer à la maison sur Marseille. Je pensais que c'était, on pensait que c'était un bon entraînement quand même de faire un petit tour sur Nîmes, non? Ouais. Et franchement, nickel chrome. Tout chousse. Non mais vraiment, c'est vraiment bien. Je... Même toi, hein, tu te sens comment? C'est pas du, tu te, pas du stressé, non? Ouais. Non, ça va. Non, bien. C'est bien, franchement. Non, ouais. Il conduit très très bien. Bah, j'ai quand même conduit normalement, sans à-coup, sans problème, ouais. Sans stresser dans Nîmes. Juste, des fois, il prend un peu la confiance. Il croit que j'ai une féfée là. Il démarre les. Il nous a fait un démarrage de. C'est un truc de mec. De... Ça. Comment ça s'appelle? De rond-point. Il y avait personne, hein. Il s'est même pas arrêté. Il avait pas eu besoin de s'arrêter. Il n'y avait personne sur le rond-point. Il a pris la confiance. Il nous a fait un petit démarrage. Voilà. Non, mais ça va. Bah, bref. Je conduis propre. Franchement, c'est vraiment bien. Heure de pointe à Nîmes un samedi donc. Après, j'avoue qu'il y a personne. Je sais pas comment ça se fait. D'habitude, c'est bondé. Ouais. Voilà. Non, franchement, c'est bien. Donc là, je vais aller faire un tour à Action parce que j'ai envie et à Electro-Dépôt. Ah, t'es pas belle ça. Ouais. Hello. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est encore Canal qui conduit. Ça dit quoi, on rentre à Marseille. Je croyais que vous avez une poussière. Si vous avez une poussière, vous la voyez là. Bon bref, gardez votre poussière. Du coup, je disais, nous sommes en direction de Marseille. Moi, là, je vais continuer le montage de cette vidéo. Et c'est génial, parce que vu qu'il y en a le point de vue, je peux faire mon montage en paix. C'est génial. Enfin, en paix plus ou moins. Parce que vu qu'il est en conduite supervisée, je suis quand même responsable de lui. Je me sens très daronne, on dirait que c'est mon gosse. Tout se passe bien, on rentre à Marseille, on va poser toutes les affaires, poser la voiture. Et ah oui, Maurice. Oui, il dort. Il y a Maurice, juste ici. Oui, il est super calme en voiture. Ouais. Il dort pendant tout le trajet. Peu importe le nombre d'heures du trajet, il dort. À défaut d'être calme. En fait, ouais, à défaut d'être calme dans la vie de tous les jours, il est calme au moins. Pendant les trajets en voiture, c'est déjà pas mal. Là, ce soir, Sarah vient à la maison. Elle dort à la maison et demain, on ira à l'école ensemble parce que demain, c'est la rentrée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on va pas épiloguer sur ça plus que ça. On mange encore une fondue. Vous avez pris les pieds. Tadam. Bah non, vous avez pris. Il vient de rentrer parce qu'il était au match et du coup, il a plus de voix parce qu'ils ont perdu. Ouais. Continue à touiller. Je sais pas. C'est tout fondu. Je pense. Ouais, ça s'est fondu. C'est quoi ça? C'est un morceau. Vous avez mis les croûtes? Non, c'est un morceau. Ou alors ça t'a oublié une croûte, je sais pas. Bonne.
Ça a l'air d'être un... Non, c'est un morceau. Moi, je pense que c'est un morceau. Le comté, il veut pas fondre. Le coca. Le comté. Ouais. Le comté, il veut pas fondre. Ouais, j'ai mis du coca dans la fondue. Ça va pas. C'est la première fois que Sarah fait une fondue. Une vraie, ouais. Une vraie de vraie. Nous, notre première fois, c'était la dernière fois. Mais c'est pas fondu uniformément, non? Ouais. Pourquoi c'est à moitié liquide et à moitié dur? J'en sais rien, ou des vins du plus vite. T'as pas mis trop de vin? De vin? Mais j'ai mis un verre et demi. Le feu, vous l'avez mis comment? Mais là je l'ai baissé. Là on l'a baissé, je remets à fond. Ah oui, mais en fait c'était à 3. C'était pas à 2. Je crois que 2 c'était à. Bah, je crois que j'ai mis plus de vin que la dernière fois. T'as mis 2 verres là? Non, j'ai mis un verre et demi. La dernière fois j'avais mis un verre et un peu plus. Ou un verre, je crois. On va être bourré, t'as dit. C'était pas ouvert. Ne m'engueule pas, c'était pas ouvert. Bon, enfin bref, ce soir on fait une fondue et on va regarder la vidéo de McFly et Carlito parce que évidemment madame l'a déjà regardée, pas nous. Et après on regardera, peut-être qu'on regardera le film ou quoi. Voilà.